À nous deux, on a 45 ans et bientôt 46 parce que c'est mon anniversaire On s'en fout. À nous deux, on a 20 ex. Comment ça 20 ex? J'en ai que deux, moi. Comment ça 18? T'en as 18? C'est qui les 18? Inès, Capucine, Lisa, Léa, Anissa, Léa. Mais je vais péter un câble, vas-y, fais. À nous deux, on a 13 millions d'abonnés. C'est incroyable, vous aimez. Et pourquoi on n'a pas 13 millions d'euros? Ah non, on en est loin. À nous deux, on est millionnaires. Fallait pas le dire. À nous deux, on pèse 130 kilos. On pèse 150 kilos. Pourquoi 150? T'as grossi? À nous deux, on fait 3m40 comme celle qui est juste en bas. Gênant, pas d'avoir. À nous deux, on a 6 iPhones. 3 chacun. À nous deux, on a 3 animaux. Donc, le chien, oui. Le cheval. Et toi? Et ma chienne. Non, et mon chien. À nous deux, on a un bébé aux yeux bleus. Fallait pas le dire. Jean, on est en train de se faire cambrioler. On vient d'arriver à la maison, la porte elle est ouverte, il y a quelqu'un dedans. Je crois ça, un TikToker. Un TikToker? Mais vous faites quoi chez moi? Ah mais c'est toi. Qu'est-ce que tu fais là? J'espère que t'as pas mis des orbites dans ma baignoire. Ah bah là, ils sont remplis des trucs, tout l'immeuble il va être bouché là. Mais non mais on est pas chez Lidl. Ah si, on est toujours chez Lidl. Manger des flammes que je suis après de zèle. T'as resserré comment? T'es rentré chez moi? Mais la porte a été ouverte. Sérieux? Bah oui, et même si j'avais faim aussi. Mais t'as plus de cracotte? Non mais c'est pas possible parce que la porte on l'a fermée. Ça veut dire qu'on s'est fait cambrioler. T'as volé chez moi. T'as volé. Non c'est pas possible, elle a pas pu faire ça. Ma vie, on s'est fait voler par un TikToker. T'as volé mes sacs? Oh ça va, t'en as assez non? Ça va, comment t'es rentré chez moi? Mais la porte elle était ouverte. Non mais c'est pas possible, t'es venu faire quoi? C'est possible, on a fermé. Mais, vous voulez faire un TikTok? Sérieux, la porte elle est ouverte? Bah oui, elle était grande ouverte. C'est une blague. T'as pas fermé la porte? Donc on s'est vraiment fait cambrioler. Oh mon dieu. Et c'est pas un prank. Ma nouvelle robe Hermès à 5000 euros. Alors les filles, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve ça canonissime. C'est quoi? C'est ma nouvelle robe Hermès à 5000 euros. Mais dis la vérité, Ravi, c'est Hermès. T'as payé ça combien? 5000 euros. Et c'est la personne qui l'a lui donné. J'aurais été en ancienne collection, j'aurais été pas cher. Et dites-moi si vous aimez bien, moi je trouve que ça marque bien la taille. C'est un prank. C'est un prank, mais Marie, tu ne bois pas de Hermès là en fait, c'est la robe Hermès nouveauté. Tu vas me dire que t'as payé un sac poubelle, 5000 euros alors que je prends ma poubelle et je te fais un trou. Mais c'est ta mère le sac poubelle. Mais ça je vais la donner à mes filles, à mes enfants. Ça c'est une robe de valeur. Tu crois vraiment ma fille elle va mettre un sac poubelle? Tu crois ma fille c'est une Renza? C'est pas une Renza, c'est une Hermès ça. Je comprends pas, y a les mecs ils ont des femmes normales. Tu vois des femmes qui s'habillent normalement. Mais moi je m'habille chez Hermès. Et moi j'ai une femme qui s'habille en poubelle. Mais les bourreuses. Non mais c'est un sketch. C'est un sketch. Il fait chaud au Maroc, hein. Ah, oh, il m'a mouillé. Eh, il bouge plus. Eh, il bouge plus, viens. Eh. Mais je m'en fous que tu sois bien, viens m'aider, là. Je peux pas. Oh, je peux pas avec le caleçon. Il va craquer. Viens ici. Il reste plus? Non, je sais pas. Oh, il est trop lourd, vite. Je peux pas, Olivia. Mais fais-moi du bouche à bouche! Ah non, c'est moi qui l'ai fait! Mais bouche à bouche à bouche, je peux pas embrasser mon fils, non! C'est pas comme ça! Mais je suis mouillée! C'est pas comme ça! C'est pas comme ça, putain, c'est comme ça! Bouche le nez! Bouche! Bouche! Appuie sur le ventre! Faut que tu tires les jambes, maman! Tire les jambes! Tire les jambes! Vas-y, vite, tu vas me réanimer! Tire les jambes! Il est trop lourd, vas-y! Il est sous régime! Mais tu vas qui nous parle, la mettre une boule de ma gueule ou quoi? Venez voir! Mais c'est pas vrai, c'est là, mais j'ai mouillé ma robe pour rien. Mais j'ai fait ça. Apprends à parler comme Cyril. Comment on dit une fille? A middle. Hein? A middle. A bitch. Hein? Comment on dit l'argent, la monnaie? Geld. Geld. Je vais quitter ma geld. Comment on dit caca, merde? Scheiße.
Ah oui, la chasse. La chasse. Scheiße. Scheiße, nein. J'ai bouché les orbites de mes toilettes. Cyril, comment on dit il fait trop chaud? Est-ce que c'est too hoist? Too hoist. J'ai peur, on dirait qu'il va me tuer. Comment on dit Ausbub? Eschwanz. Eschwanz. Mais c'est comment en allemand, tu dis Eschneck? Ben oui, mais en allemand tu dis la schneck et ça veut dire escargot en allemand. Ah, et donc là ils appellent ça en bas l'escargot. Oui, l'escargot et les schneck. On en apprend des trucs à la fin. Nous on va chez Lidl. Déjà c'est Lidl. Hein. Ah non. C'est pas Lidl. Hein. Oui, tu pêches. C'est bon. Qu'est-ce qu'elle fait à ma place celle-là? Je t'adore. Arrête la lumière derrière. T'arrives avec pas. C'était mes trucs. Attention. On y va. Réveille là. Maman. Maman. Ah. On y va. T'as dormi? Oui, tu bah oui. Tu t'es assoupi. Ah, c'est qui? Quoi? C'est qui? Bah, c'est Zizou. Bah, c'est moi. C'est qui Zizou? Bah, Zinedine. C'est qui Zinedine? Mais sortez de la voiture, monsieur, je vous connais pas. Mais c'est qui? Mais c'est ton fils, Olivia, non? T'es vrai. Mais j'ai pas un fils avec une tête comme ça. Ah ouais. Mais t'as pas vu ta tête, toi? Mais c'est qui? Sortez de la voiture! Mais dis-lui, c'est qui? C'est Zizou. Mais Zizou, qui où? Zizou. Je connais pas Zizou. Elle fait exprès ou pas? C'est qui? Monsieur, s'il vous plaît, vous descendez de ma voiture! Je suis de ma gueule, là. Je suis mauvaise, merde! Je te connais pas, vous ne pouvez vous tutoyer pas, s'il vous plaît, monsieur. T'es qui? T'es la reine d'Angleterre, toi, pour pas que je te tutoie? Mais c'est quoi ce malade mental, là? Sortez de la voiture! Je me gêne pas de sortir de cette. Il a volé un sac! C'est à moi! C'est son sac? C'est à moi! Qu'est-ce que vous faites encore? Non, parce que là je vais aller me coucher, hein. Je travaille demain. Bah, madame. Je vous ai préparé vos sacs et c'est bon. Hein. Mmh. Merci. Bien sûr. Pourquoi tu te grattes comme ça? T'as des puces? Et qu'est-ce que tu fais, Anya, là? Bah, je sais pas, tu te grattes. T'as des poux, je sais pas. Mais non, c'est la fin de journée, hein. On va te laver les cheveux, t'as les cheveux sales ou quoi? Mais t'es sérieuse, là? Mais comment tu me parles? Vas-y, reviens là, là. Coller, là. Mais je sais pas si ça te passe, tu vas te laver les cheveux. Non, vas-y, en fait, recolle-moi, elle va donner des poux. Mais j'ai pas de poux. C'est que la pourquoi tu glaces comme ça? C'est la zone où t'as des poux, là. Ça, c'est les coups de soleil du crâne. Ça existe pas, j'ai jamais entendu. Bon, ça suffit. Ah mais vous êtes sérieux, tous les deux? Maman, vas-y, s'il te plaît. Vas-y. Mais moi, j'aurais bien aller. Vas-y! Non, en fait, c'est pas. Non, 5 à plus, pire qu'un kleps. Elle se gratte le corps maintenant. Vas-y, maman, je rigole même pas. T'as plus d'extension? Non. C'est bon? Ah! Au secours! Ne me touche même plus. Je vais faire une boule à zèle sur ma vie, Mais c'est. Vas-y, va chercher le ciseau, va chercher le ciseau. C'est stress de revenir de vacances. Va chercher le ciseau. Je lui fais croire qu'il a été adopté. Oui, viens vite. Quoi? Qu'est-ce que t'as? Faut que je te parle, assieds-toi. Quoi? Je vais annoncer. Azimdine va avoir besoin de toi alors. Pourquoi? Parce que je vais lui annoncer qu'il a été adopté. C'est pas mon fils. Tu le mens? Non. C'est pas ton fils? Non. Tu l'as adopté quand? Il avait 3 mois. C'est une petite boule de poils. J'ai été quoi? Hein? Je suis désolée. J'ai été adopté? Je suis désolée, t'as été adopté. Mais c'est la plus belle chose qui me soit arrivée quand même, hein. Mais là, en grandissant, en vieillissant... Ouais. T'as bien vu qu'on j'ai toujours su que c'était pas ma mère, passée. C'est pas vrai. Mais si, tu vois pas, on se ressemble pas. Vous me choquez, là, mais... Ah ouais, sinon, vous vous ressemblez pas, hein, t'as les yeux bleus. Ce mec, il est moche. Mais t'as pas vu ta gueule, toi? Regarde-le. Si je suis moche, t'es pas mieux, toi. Il y a les aliens. Ah, mais... Je suis pas son fils. Non, ça se voit, en fait. Tu peux prendre tes clics, tes claques et tu sors de chez moi. Ah, mais donc, c'est inconnu, du coup. C'est que pendant 21 ans, je t'ai élevé. Je suis adoptée. Tu t'appelles pas Zinedine? Ah, il s'appelle comment? Noureddine, j'ai un peu transformé. Je retourne, t'as caca. Mais c'est pas grave, je t'aime quand même. Ah, c'est pas vrai. Ah, mais oui, mais t'es pète. Mais c'est pas vrai! C'est pas vrai! Eh, viens! C'est pas vrai! C'est pas vrai! Je suis ta vraie maman. Oh. C'est pour toutes les fois que tu me fais chier tout le temps. Je fais croire à Zizou que je m'embrouille avec Anya. Ok, tu veux que je t'apprenne comment on fait? Ouais, s'il te plaît. Quoi? Hein? Quoi? J'apprends une danse à ta mère, vas-y. Elle va prendre, s'il te plaît. Attends, on va faire un spectacle. Vas-y, je fais un TikTok avec elle m'apprend.
Alors, tu vas lever les mains comme ça. Ouais. Allez, allez, vas-y. Non, j'ai pas le temps. Regarde pas. Tu regardes pas. Allez. Après. Tu dois faire ça. Mais pas comme elle le dit. Pas. Hey, c'est de l'école ou quoi, là? Non, mais c'est pas danser, frère. Mais sérieusement, là. Mais d'où tu tapes ma mère? Est-ce que moi je tape ta mère? Mais elle comprend rien, j'ai dit. Est-ce que moi mais je elle m'apprend pas, elle me dit tiens, tu fais ça, 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 ça. Elle lève pas ses mains. Chut! Ah, ça gonfle. Toi aussi, chut! Tu fais pas ta gaffe, ça gonfle! J'ai dit chut. Attends, j'ai. Oh, y'a rien. Mais t'es cinglé, toi, hein? Ah, mais on dirait que je suis dans une. Aïe! Aïe! Aïe, t'as même pas ma mère, mais t'as même pas ma mère parce que c'est moi qui vais te taper. Je vois plus. Elle comprend pas! Mais toi, arrête de faire genre. Mets les idées en place un peu. Maman! Je dis qu'elle est pas chez vous, moi je veux plus vous voir, on est marre de vous tous là! Non, vous faites vraiment du cinéma, vous faites vraiment, je suis con, je sais très bien que tu lui as fait ça. Putain, vous êtes vraiment con. On se met cramer. Bah vas-y, dis-nous, c'est bon, on n'a pas que ça à faire en fait. C'est pas vrai! Tu mens? Non. Elle a dit ça sur nous! Genre, elle a parlé sur nous, mais je te crois pas! Quelle pétasse! Mais ça va pas ou quoi? Mais elle a dit quoi? Elle a dit quoi? Elle a dit quoi? Bah dis-moi! Mais dis-nous! Mais vas-y, mais dis-nous! Tu sais qui? C'est pas vrai. On n'a jamais fait ça. Non, c'est on pas on n'a jamais dit jamais ça. Jamais ils ont dit ça. Menteuse. Menteuse. C'est quoi ça? T'es menteuse. Passe-la-moi. Mais nous, on n'a jamais dit ça. On n'a jamais dit ça. Mais pleure pas, mais c'est quoi? Pleure pas, je vais le faire. On y va. On y va. On y va. Allez, on y va. Les clés, Vas-y, on arrive. Sérieusement. On n'a jamais dit ça. Non, ils ont pas dit ça. On y va. On va où, là? On y va, allez. Vous êtes sérieux, là? Vous êtes sérieux là? On va où? On a jamais... Eh franchement, j'en ai marre là. Franchement, j'en ai marre. On va où? On se retrouve pour le jour 7 du calendrier de l'Avent. Bébé, quoi? Tu peux aller récupérer ta case. Je sais déjà où elle est. Attends, parce que toi t'aimes trop ouvrir avant l'heure. Ouais. Qu'est-ce que tu penses qu'il y a à l'intérieur de cette boîte? Pronostic. C'est léger de ouf. Je te donne un indice ou pas? Ouais. T'es sûr? Je te dis vraiment l'indice. Ouais, vas-y. C'est de l'argent. La money. Je sais pas. Hein. Vas-y, j'ouvre. Ok, attends. Ah, c'est quoi tout ça? Compte, il y a combien d'argent? Je suis gênée. 200 euros, plus 200 euros, plus 200 euros. Ça fait 400, 500, 600, 700, 800, 1000 euros. Ouais. Regarde bien tes billets. Ah oui, ça c'est ton deuxième cadeau. Vu que tu as une tête de lunette, regarde, t'as juste à faire. Mais sur ma. Sur ma vie, c'est pour toi. Mais du coup, mon gars, tu vas acheter quoi avec ces billets? La vérité, je pense que je vais acheter un sac. Mais t'as pas l'impression que c'est des faux? Ah, c'est des. Mais il est où mon gars? Ça c'est pour toi. On échange notre trousse à maquillage. Elle a grave des pépites, j'ai trop détesté. Ce truc milk, c'est quoi? C'est un primer. Ça, c'est trop bien, mais ça absorbe tout seul et ça te fait un teint glowy, genre. What? Celle-ci, elle utilise ses deux produits pour faire ses sourcils. Est-ce qu'il est bien ce crayon, là? Je pense que si. Du coup, maintenant, je vais mettre de la glu. Celle-ci ne met pas de fond de teint, du coup, on passe direct à l'anti-cerne. Qu'il est trop clair! Je fais quoi pour cacher mes boutons? Bah, le même. J'utilise le même, moi. Mais ouais. C'est trop blanc. Est-ce que t'as vraiment de la poudre bronzante? Même pas. Quoi? Non! Quoi? Beaucoup trop bronzé par rapport à Malsy. C'est ça ton bronzer? C'est contouring, pas bronzer. Mais il se voit pas? Mais si, c'est un teint froid. Je peux pas rester comme ça, Malsy. Il va falloir que je prenne mon maquillage. Non. Mais non! On se blush. Ils sont très très pigmentés. Hein. Ah mais bah vraiment. Avec mon teint pâle, hein, ça risque rien. Oh. T'as un clown là. Là, c'est un produit pour les taches de rousseur. Il est incroyable. C'est parti. Il est incroyable. Oh! Non, là, t'as foutu la merde. Je sais pas trop si ça se voit, j'ai littéralement envie de pleurer. On peut passer aux lèvres, Malsy, c'est ouais, vraiment un désastre. Ils se voient pas encore? Bon, j'essaie de faire comme je peux, on voit rien du tout. Et on passe maintenant au rouge à lèvres. On voit encore rien du tout. Mais le maquillage, il me va pas du tout là. Mais t'as craint. Ouah, c'est blanc. Je vais passer au mascara. On va poudrer le tout, même s'il y a pas grand chose à poudrer. On finit par le petit highlighter. J'ai envie de pleurer. J'ai envie de me démaquiller. Rendez-moi mon maquillage. Ça fait très clean girl. Regarde. Ça fait un teint glowy et tout. Et voici mon résultat final. Dites-moi ce que vous en pensez. Les gens, après plus de un mois et demi, on n'a pas vu notre bébé chien. Elle est juste là-bas et on va le retrouver tout de suite. Vous la lâche? Chouchou. T'as vu bébé? Oh là là bébé. Bonsoir. Bonsoir. Jessie.
On rentre à la maison. Oh, ouh là 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 là. Les gens, c'est normal que Chouchou, elle vient voir Anya et pas moi. Viens. Ça va? Oh bébé. Oh bébé. Oh là 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 là. Oh là 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 là. Oh là là, mon bébé. Oh. Ah ouais, bah ça c'est... Oh là là. Oh là là, ça c'est... Oh là là. Eh viens. Eh viens bébé. Oh là là. Oh nulouche. Oh nulouche. Oh nulouche. Oh nulouche. Oh nulouche. Fais le bisou. Fais le bisou. Et genre, après un mois, je retrouve enfin mon bébé cheval. Et regardez le cadeau que j'ai eu. De la part à qui? De moi. Qu'est-ce que c'est dedans? Cadeau Hermès, mais pas pour moi. Non, c'est pour Dreaming. Regardez les gens. Regarde ta nouvelle scène, mon bébé. Waouh. Elle est trop belle. Marron comme la couleur de Dreaming. Canon. Elle est magnifique. T'as vu? Regarde mon bébé, c'est pour toi. Là les gens, c'est l'ancienne scène et poubelle. Je sais pas si vous l'avez voulu, mais je vous la donne. Tiens mon amour. Rock, rock. Ouais. Oh mon amour. Elle m'avait trop manqué. Elle m'avait trop manqué, gros bébé. Rock. Trop belle. Je suis pas une fille. Mais je parle pas toi, je parle de la selle. Incroyable. Carrément, elle a droit à une douche. Tu t'occupes mieux d'elle que de moi. Elle est belle, ma fille. Elle est plus belle que toi. À mon tour de relooker Zizou. Je te trompe pas avec tes goûts. Arrête de mentir. Les gens, elle a vraiment pas de goût. Si, un costume, c'est très très classe. Donc moi, je vais sortir tous les jours pour aller acheter du pain en costume. Oui, très classe, j'adore. Allez, on change. Non. Elle a quoi avec les trucs classe? J'en veux un mètre classe, j'en ai une marre. Tu veux un mètre classe? Un mètre classe. Oui. T'as dit quoi? Mais c'est un truc de grand-père. Moi, je me suis concentré pour toi. J'ai pas d'idée, vas-y, j'en appelle tout. Ah oui, les gens, il nous reste 2 minutes chrono pour trouver vite une tenue parce que les cabines d'essayage, elles ferment. Bah, c'est toi qui dois trouver, c'est pas moi. Ok, je veux que t'essayes cette ensemble avec les petites bottes. Mais Anya... Allez, t'as pas le choix. Bon, allez, ok, prends, j'essaye. Tu vas prendre la même doudoute verte que moi. Non. Vas-y. Bon, les gens, c'est vite décidé, je vais essayer la tenue que je veux. Vas-y, montre. Tu vas me laisser sortir comme ça? Vas-y, montre pour voir. J'ai les bottes. Vas-y. Non mais il faut que tu fasses. Mais ah c'est non, même c'est pas. Vrai. Mais c'est pas ta taille. Ah non mais c'est mort. Mais c'est immense le pantalon. Moi je ne vais pas habiller comme ça. Attends mais tourne-toi vers moi, on voit pas. C'est trop moche. Ah ouais on dirait un clown. Mais qu'est-ce que t'as, t'es pas content? Je colle des diamants sur son téléphone. Je fais de la colle forte pour être sûr qu'il ne l'enlève pas de son téléphone. Tada. Anya. Écris pas. Il est où mon téléphone? Je le trouve pas là. Bah, je suis demandé, il est là. Tiens. Tiens, prends-le, c'est ton thème. C'est ton téléphone. Anya, t'es même pas drôle. J'ai mis des strass, des petites paillettes. Des strass, de paillettes, je suis une fille moi pour mettre des strass et des paillettes. Mais attends, t'es quoi en plus? J'ai mis de la colle forte pour que ça tienne bien. De la colle forte. Comme ça, tu seras à vie avec ce téléphone. Bah quoi? De la colle forte pour que ça tienne bien. Comme ça, tu pourras pas l'enlever. Qu'est-ce qu'il y a? Mais qu'est-ce qu'il y a? Mais t'es pas content. Enlève-moi ces paillettes, s'il te plaît. Non, on peut plus. Enlève-moi tes bijoux, tes confettis. Non, on peut plus. Enlève-moi tes confettis, Anya, s'il te plaît. C'est comme ça, à vie. Le téléphone de Zizou, il est pailleté maintenant. Anya! Enlève-moi ça de mon téléphone. Je veux pas un téléphone de vie. Mais c'est pas un téléphone de vie, c'est un téléphone de star. Mais je suis pas une star. C'est quoi? Si tu continues, je vais personnaliser celui-là aussi que j'ai. Ok? Donc arrête de m'énerver. Non, tu le gardes comme ça. Bébé, arrête, tes caprices. Je vais faire une syncope. Je vais faire un malaise, je veux pas un téléphone de fille. Je vais faire une syncope. Oh le bon, les paillettes. Bébé, mais calme-toi, mais pleure pas. On parle comme Benoît. Quand t'es une queen, tu vas au drive du McDo. J'ai trop faim. Vas-y, débarque. Arrêtez de me répéter! My God! Stop, arrêtez là! La dame, elle est tombée! Excusez-nous, madame! Elle est sous la roue! On fait l'ouverture du calendrier de l'Avent, jour 8! 8! 8!
Vas-y bébé, tu peux le prendre. Tu sais où il est? Non. Bah, t'es bigleuse? Non. Mais là! Alors, passons au sondage. Qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur, tu penses? C'est lourd. Mais c'est quoi? Un parfum. Non. Toujours pas. Un chargeur. Un chargeur? Je sais pas, c'est... D'où tu fais un chargeur, un cadeau? Bon, allez, ouvre ta boîte. C'est hyper lourd. Oh! Oh! Derp! La boîte, elle était bien? Oh, je suis trop contente! C'est vrai? Oui! Bisous! Mais j'en avais qu'un seul! Vas-y, montre-nous ton AirPod que t'avais. Attends, vous allez rigoler, vous moquez même pas. Regardez, il me restait qu'un seul AirPod, en plus la boîte elle est... Parce que le chien avait mangé l'autre. Et bah, tu sais quoi? Je te propose de faire un unboxing, mais pas n'importe quel unboxing. Pas en mode tu l'ouvres et tu perds. En mode ASMR. Vas-y, est-ce que tu vas réussir? Bah, je sais pas, moi je suis pas une pro d'ASMR. Je fais l'ouverture dans le prochain TikTok. On se retrouve pour les jours 9 du calendrier de l'Avent. Bye Anya. Mon cœur, aujourd'hui tu es sur un cadeau d'une valeur de plus de 500 euros. Arrête. Devine c'est quoi? Déjà, bah, déjà trouve la boîte. Bah c'est là, j'ai vu. Attends avant d'ouvrir ce coup-là. C'est lourd un peu. Ouais. À ton avis c'est quoi? D'une valeur de plus de 500 euros. Non, ouvre. Vas-y, ouvre. On n'enlève pas le suspense. Enfin, oh, c'est Hermès. C'est quoi? Un cadeau Hermès. Je suis choquée. J'ai trop peur. Mais c'est quoi? Bah, ouvre. Attends, mais... 3, 2, 1, c'est parti. C'est quoi, ton avis? Elles sont pas magnifiques mes bébés. Moi. Elles ont le droit à plus de bisous que moi. J'ai mis du rouge à lèvres dessus. Et tu sais, c'est qui est bien avec ses claquettes? Quoi? C'est que je vais pouvoir te taper les fesses. Alors, je rigole. Je lui demande de me commander un menu McDo qui n'existe pas. Bonjour, je vous écoute. Oui, bonjour, je vais vous prendre un menu McFirst poisson, s'il vous plaît. Comment? McFirst poisson. En menu maxi? Non, normal, frites de coca. Normal, frites de coca? Ouais. Avec ceci, tu veux quoi? Un menu Dragon Ball Z, s'il te plaît. Un menu Dragon Ball Z, s'il vous plaît. C'est quoi ça? Avec les frites et la sauce Kamehameha. C'est ça? Ah non, on l'a pas ici. Si. Y'a pas? Ouais. Non? Mais si, déjà, c'est la nouveauté. C'est la nouveauté? Ah non, on l'a pas ici. Y'a pas, Elle peut pas demander, se renseigner? Vous pouvez pas demander ou quoi? Parce qu'il m'a dit que c'est la nouveauté, ça va sortir. Attendez, nous, ce qu'on a en nouveauté, on a que ça, regardez. Le tome qu'on a, le premier. Ah, c'est ça la nouveauté? Non, moi je voulais avec la sauce Kamehameha. Y'a pas sauce Kamehameha? Non, pas du tout. Non, ça existe pas. Ah, pas ici en tout cas. Pas ici. Ah, donc ça existe? Je sais, non, j'ai jamais entendu, franchement. C'est McDo, vous êtes sûr que c'est McDo? C'est McDo? Bah oui. Oui, c'est McDo. Je sais pas, c'est. Je sais pas, je connaissais après, pas. Après, vous allez montrer le sandwich, mais du ça existe pas. Non, ça pas. Ah, madame, ça existe pas, c'est lui qui m'a fait une blague. Oh là là, c'est pas drôle. J'ai vu, il est en train de filmer en plus. Aujourd'hui, c'est moi qui te prépare ta tenue chez Zara parce que la dernière fois, elle avait pas utilisé sa carte cadeau. Très, très, très bien. Bon, bah, c'est moi qui choisis pour toi. Ça commence mal, regardez ce qu'il m'a pris. Bah, t'aimes pas? C'est horrible, vas-y, non, mais vas-y, fais le bien, t'as des mauvais goûts ou quoi? Bon, ok. Je vous jure qu'il a trop des mauvais goûts. T'es trop une menteuse, Anya, sur ma vie. C'est vrai. Alors, on va voir ce qu'il va choisir parce que franchement, j'ai très, très peur. Ça admet tout. Alors là, regardez, vous voulez me prendre un cargo, mais j'en ai déjà, donc je veux de l'originalité. Ça, c'est original. Non, c'est basique. Originalité. Tu voulais de l'originalité? Ouais. Dis-moi que t'aimes. Oh, c'est trop beau! Pépite ou pas pépite? Pépite de ouf! Bébé, c'est que je te connais par cœur. Ah bon? Deuxième pépite. Oh, c'est incroyable! Mais après, pas faut voir. Je sais pas, faut voir porter. Hein. Dernière pépite. Ah non, j'aime pas du tout. Ah, t'aimes pas? Non. Vraiment? Non, j'aime pas! Du coup, quelle tenue tu préfères, toi? Celle-là. Bah, moi, je préfère celle-là. Donc, du coup, quelle tenue Anya va prendre? Et bah, vous allez savoir dans ce TikTok. C'est bon, bébé, ouvre. 3, 2, 1. Wow. C'est quoi, franchement, je suis pas habituée à avoir des combinaisons. Mais j'aime trop le style, ça donne pas. Donc tu valides mes goûts? Franchement, je valide où ça change? T'aimes bien? Mais oui, j'aime trop. C'est meilleur. J'ai du mal à respirer, ça me compresse. Bon, les mamans, si vous avez besoin d'allaiter votre enfant, je suis là. Bébé! Quoi? Viens voir. Attends, je fais un truc. Vas-y, vite, est-ce que tu peux me prêter ta doudoune ou pas? Ah, dès que je parle de ta doudoune, tu viens, tu peux me la fermer, ça va.
Bah viens, ouais. Un, deux, trois, quatre. Mais y'en a combien? Y'en a au moins 20 là, 10. Allez, c'est quoi? Pour aller où? Bah je vais sortir là, je me suis habillée. Allez, on va tout. Qu'est-ce que t'as? C'est énorme. T'es sérieux là? C'est wouh, boum. Boum. Ah ouais, c'est... Non, mais, ça va? C'est la bombe nucléaire là, mon cœur. Allô, je suis là. Qu'est-ce que t'as? Allô? Mais c'est même pas des vrais, c'est des faux au final. Vas-y, qu'est-ce que je reste bloqué pour rien. Unboxing. Refais. Unboxing. Mais non, mais tu dois pas parler, Anya. Je parle pas là. Ah, c'est officiel, Anya, tu sais pas faire de l'ASMR. Ah, c'est officiel à 50 000%. Ah ouais, Anya ne sait vraiment pas faire de l'ASMR, c'est officiel. Ah, ah non, ça nous a pas fait du bien, là, MDR. Allô? Oui, je vous entends. On se retrouve pour le calendrier de l'Avent, jour 10. Bon, bébé, tu peux chercher ta case. C'est la 10. Attends, à ton avis, qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? Oui et non. Je sais pas, il y a une feuille. Bon, vas-y, ouvre. Il y a écrit un mot. Des un voyage, des vacances. Je m'appelle Anya la licorne. La licorne. La licorne. Vas-y, tourne. Je m'appelle Anya la licorne. Est-ce que tu es une licorne? Non. Ouvre. Mais c'est quoi? C'est dur. C'est quoi? Bah, ouvre. Et je te propose de l'essayer tout de suite. Ok, vas-y. T'as déjà vu une vraie licorne vivante? Et bah je te la montre tout de suite. Viens ma licorne. Coucou. J'aime trop regarder derrière comment c'est trop grand. Attends, attendez, regardez. Déjà regardez la petite tête, comment elle est trop mignonne. Elle te ressemble en plus. Oh, trop chou. Et regardez derrière. Et il y a une petite queue et des ailes. Des ailes, c'est trop beau. Et il y a même des poches. Alors là, je vais le saigner. T'es contente? Oui, merci mon amour. Je suis là, Hubert. Je suis le passager. Et oublie pas que t'es en couple, bébé. Y'a pas de soucis, t'inquiète pas pour moi. Ça va, monsieur, vous pouvez vous reculer, s'il vous plaît. Non, reculez. Ok. Ouais, reculez. Vous êtes pas très accueillante comme Hubertrice, vous. Oui, je m'en fous. Voulez-vous que je vous aide à passer? Non, reculez. Me touchez pas. Me touchez pas. Vous faites pas, madame. Je suis dans couple. Vous allez avoir un accident. Veuillez mettre votre ceinture, je vais vous aider. Non, me touchez pas. Monsieur, me touchez pas, vous avez pas le droit de me toucher. Reculez, je vous ai dit. Je suis un simple client, je vous fais juste des avances parce que vous êtes très très belle. Mais je m'en fous, je suis en couple. Vous êtes pas en couple, mademoiselle? Si, je suis en couple, monsieur. Comment une super jolie Hubertrice est en couple? Du compliment, je suis en couple, reculez. Vous avez besoin d'un petit air d'air? Non, me touchez pas, vous comprenez pas le français ou quoi? Me touche pas, frère. T'es malade ou quoi? Oh, ça y est, elle va se détendre, celle-là. Malade. Putain, le trajet, il est éclaté. Je m'en fous. Je vais me faire rembourser. Je m'en fous. Ah, si vous en foutez, au pire. Me touche pas! Vas-y, sors de la voiture. Sors de la voiture. Putain, Lucas, cours, sors de la voiture. Je peux pas sortir là. T'inquiète pas, tu vas bien sortir. On fait l'ouverture du calendrier de l'Avent, jour 11. Bébé, aujourd'hui tu as un cadeau, mais pépite. C'est quoi? Pépite. Attends, non. Du coup, en fait, je t'ai mis cette boîte là sur le L, mais c'est la grosse. Parce qu'il rentrait pas dedans. Ce que je veux dire, elle est vide. Hein. Ok. Pronostic, qu'est-ce qu'il y a dedans à ton avis? Une boîte. Oui. Une boîte. Ok, ouvre la boîte. Okay. Tu vas crier, je te préviens. Ah, mais c'est quoi? Par contre, c'est pas très sexy là-bas, on voit ta serviette. Non, vas-y, arrête. Non, arrête. Tu couperas ça. Non. C'est quoi? Bah, ouvre-le. J'ai trop peur, je suis trop contente. C'est quoi? J'ai trop peur. Attends. Tu vas trop kiffer. T'es sûr? Oui. Il est trop beau. Pour aller avec ton sac. Trop beau, merci, je suis trop contente. Il est trop beau. C'est vrai, t'aimes trop? J'aime trop, il est trop violet et tout, j'aime trop. Merci mon amour, il est trop beau.
Bon, Zizou, il est en train de se préparer là-bas. Il a dit qu'il allait sortir au resto ce soir avec ses copains sans moi. C'est ce qu'on va voir. Alors, tu sors sans moi? Hein? Bah oui. Avec qui? Bah, je mange avec mes potes. Mais avec qui? Avec mes potes. Ah ouais? Bah oui. Mais tu sais quoi, mon cœur, comme il fait très froid dehors, hein? Je peux aller? Non, il fait très froid dehors, t'as oublié de mettre un truc. La crème. Parce que sinon, ta peau, elle va être déshydratée avec le froid, mon cœur, ok? C'est bon, vas-y. Allez, tu peux y aller. Bisous. À tout. Il est dans la rue comme ça devant tout le monde avec son visage rouge, mais la honte, il a même pas cramé. Je crois qu'il a cramé. Putain, il va péter un câble. Il va péter un câble, je le vois. Il va revenir vers moi là. Je. Ouh là là. Allô? Allô? Hein? Mais non, bébé, mais. On se retrouve pour le jour 12 du calendrier de l'Avent. Tu m'as bien fait? Non? Quoi? On est beau aujourd'hui. Bébé, tu peux trouver ta case. Parce qu'en vrai, le cadeau, je l'ai rajouté aujourd'hui. Ah, ok. Qu'est-ce qu'il y a dedans, à ton avis? Ah, oh, c'est un truc dur. Mon cœur, le million dedans. Je rigole, hein? Ah, j'adore ces boîtes! À ton avis, qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? Un bijou, déjà. Donc, soit... une bague, un collier, un bracelet, une bourrette. Ok, donc, je te laisse ouvrir et regarder ce qu'il y a dedans. Ah, oh, elles sont trop belles! Je te jure, elles sont trop belles. C'est vrai? J'aime trop. Genre, c'est des boudins qu'on peut mettre comme ça sur le côté. Voilà. Regarde, j'en ai plus. Bah, vas-y, go, essaye-le okay, pour nous. Hein. Elles sont trop belles, merci, mon amour. Je vous laisse avec Anya, elle vous fait les essais, t'es contente? Oui, merci, mon bébé. Alors, attendez, je sais pas, comme j'ai deux trous dans les oreilles, je sais pas si je la fais. Je la mets ici en bas ou en haut. Je crois que je la mets en haut. Et voilà, regardez, j'ai mis les boucles d'oreilles donc sur le deuxième trou. Il manque plus qu'une ici, ça serait parfait. Et c'est trop, trop beau. Franchement, j'aime trop. Vous en pensez quoi? Vous aimez bien ou pas? Parce que, regarde, on peut les bouger et tout. Soit comme ça, moi je les laisse en long. J'adore. Si j'arrive pas à mettre le stylo dans le verre, je dois dire à Anya que je veux des enfants pour cette année. Ah bah zut, c'était trop compliqué. Bon bah les gens vont aller dire à Anya que je veux des enfants pour cette année. Bébé, est-ce que t'aimerais bien faire des enfants avec moi? Bébé, on en a déjà parlé, on est trop jeunes. Mais après le mariage et dès qu'on est dans la maison, c'est-à-dire dans même pas 6 mois. Ok, tu sais quoi, si la vidéo elle a plus de 200 000 j'aime, je réfléchis à ta proposition. Bébé, arrête de mentir. Pas, je Non, je veux trop être un daron. Les filles, je voulais vous montrer ma perte de poids, même en étant enceinte, c'est incroyable, les filles. Perte de poids, bébé, c'est les jaloux qui maigrissent. Toi, mais... t'es enceinte, tu fais que de grossir, mon cœur. Oui, c'est normal, t'es pas enceinte. Mais t'es sérieux, toi? T'es en train de montrer ton corps aux gens, là? Hein? T'es en train de montrer ton corps aux gens? Non, t'es sérieux? C'est une blague? Non, mais je rêve. Je lui offre le cadeau qui me tient le plus à cœur. Bébé, quoi? Est-ce que tu veux que je t'offre un cadeau rien que pour toi? Attends, regardez-vous. Je vais t'offrir un cadeau rien que pour toi, qui est unique au monde. Comment ça, unique? Qui compte vraiment dans tout mon cœur, c'est vraiment le meilleur cadeau du monde. C'est un truc de fou. Oui. Ton unique de 2022. Oui. Que personne n'a au monde. Oui. Offre-le-moi, bébé. Vas-y, vas-y, je te l'offrir. Mon cœur, j'ai une surprise pour toi. C'est quoi? Tiens. Ah, merci, mais c'est quoi? Bah, c'est mon doudou. Je te le donne. Ah, bah, merci, mon cœur, moi j'en ai pas besoin. Car mais si, c'est pour toi. Ah, bah, merci. Il s'est endormi avec mon doudou, il est trop mignon. Oh, ça va mon bébé? Tu fais dodo avec mon doudou. Oh, c'est trop mignon. Tu fais quoi? Bah, je fais des petites tartines. Avec mon doudou à côté? Bah oui, c'est mon partenaire maintenant, c'est mon nouvel ami pour la vie. T'es trop mignon. Toi si tu veux. Mais t'es sérieux là? Bon, c'est parti, du coup on essaye mon nouveau boucleur. Alors, je l'ai allumé et je suis en train de voir jusqu'à quelle température je peux le monter. Je peux le monter jusqu'à 210 degrés. Donc, je vais tester avec 210 degrés. C'est parti, on laisse chauffer. C'est bon, il est chaud, il chauffe super vite. Donc, à la fin, normalement, je dois ressembler à ça. Donc là, j'ai pris cette mèche. Franchement, en plus, il est bien parce qu'il est gros. Du coup, il prend beaucoup de mèche. Ok, je laisse à peu près 10 secondes sur la mèche. Je retire. Waouh. Ça boucle super bien. Donc, regardez là, je viens de faire un côté. Celui-ci, je l'ai pas encore fait, mais on voit grave la différence. Franchement. Par contre, je crois que je suis montée un peu trop haut. Normalement, là, ça devrait être lisse. Bon, on fait aïe, l'autre mèche. Donc là, j'en ai pris une petite. Je vais pas rester 10 secondes, je vais rester un peu moins longtemps. Parce que franchement, il chauffe super vite. Comme vous voyez. Là, je viens de tout finir les deux côtés. J'aime trop, trop, trop le résultat. En plus, la vérité, j'ai laissé même pas 5 secondes sur chaque mèche. Ça veut dire que si j'aurais laissé plus longtemps, je pense que ça aurait fait un effet beaucoup, beaucoup plus... plus ondulé, mais comme ça, j'aime bien. Derrière. Trop canon. Je leur fais croire que je peux lire leur avenir. Je vais lire votre avenir.
à tous les deux. Mais je vais commencer par Anya. Rigole pas, je me suis préparée toute la journée pour ça. Ah, je sais lire l'avenir, toi. Ouais, ça y est, je suivais les tutos. Ok, c'est parti. Vas-y. Vas-y. Ah, c'est moi, je dois choisir une carte. Vas-y. Un roi. C'est bien le roi, il est fort. Qu'est-ce qu'il y a? Rigole pas. C'est un homme. C'est un homme. Comment ça, c'est un homme? Il va y avoir un homme dans ta vie. Bah, il est là. Ah non, il est plus âgé. Ah merde. Là, c'est pas toi. Tu rigoles? Vas-y, tire la tienne. Donc Anya a un futur homme âgé. C'est quoi toi? Joker. C'est une sorcière ça. C'est la prison. Qu'est-ce que t'as fait? Tu vas préparer quelque chose. Quoi? Oh, la prison, un homme pour toi, la prison pour toi. Bah, c'est normal qu'il va y avoir un homme. Bah oui, tu as pu être là. Allez, vas-y. Mais c'est vrai ou c'est faux? Non, c'est vrai. T'inquiète. Il va y avoir une femme entre vous deux en plus de ça. Prison, homme pour toi et une femme entre vous deux. Donc toi, tu vas connaître une femme. Vas-y. Oh, le cœur. Le cœur. C'est quoi le cœur? La dame. Vas-y, elle a accepté. La dame ou l'homme? La dame ou l'homme, cœur, mariage. Anya va se marier avec le vieux. Olivia, en fait, moi aussi, j'ai mimé ça. Non. Hein. Donc, oh, tu vas te marier avec des vieux. Tu vas se marier avec un vieux. Je me marie pas. C'est bon, et toi, tu vas finir en prison. J'affiche Zizou dans les magasins. Bah, tu fais quoi, mon cœur? Bah, je prends les croquettes pour le chien. Ah, parce que t'as un gros chien de la casse, c'est ça? Pardon, c'est pas le chien de la casse, Anya. Eh, tu dis pas ça. J'ai trouvé plus grosse que toi. Comme ça, plus grosse que moi? Elle est plus grosse que la tienne, mon cœur. Elle est... Pourquoi tu regardes le chocolat? T'es trop gros, tu poses ça. Je suis pas trop gros pour manger du chocolat. Si, t'es au régime. Madame, vous trouvez que je suis trop gros pour manger du chocolat? Oh, mais méchante. Bébé, quoi? Tiens, t'as la chiasse, attrape. Pour t'essuyer les fesses, à chaque fois t'as la diarrhée. Faut que t'ailles acheter une machine à laver, tu pues trop. Je te jure, on dirait que tu laves pas tes habits, c'est abusé. C'est toi, tu pues. C'est toi, tu pues. Ah, prends des chewing-gums, tu pues de la gueule là. Tu me saoules. Prends des chewing-gums, dépêche-toi. Prends des chewing-gums. Par carte, non, s'il vous plaît. Tu vas payer avec ma carte, t'as à découvert, t'es bien quoi? Mais non, je peux payer. Non, t'as à découvert, arrête. Bah, t'as découvert là. Monsieur, vérifiez son truc, il a volé. Hein. Il a volé. Il a volé. J'ai bien payé, ça, monsieur. Ouais. C'est une blague, regarde, ils sont collés dans le lit, mais c'est une blague. Bien, je viens en fait. Câble, hein. Ah, franchement, laisse tomber. Ok, donc on va faire un jeu, Benoît et moi, on va s'imiter. Donc il va me dire coucou les gens, et moi je vais faire côté une queen. Ok, vas-y. Coucou les gens! Oh, j'ai bégayé. Coucou les gens! Et toi, tu dois dire quand t'es une queen. Ok. Quand t'es une queen. Ah, ça va. Ça va. Tu te débrouilles bien. Bon, vas-y, on va au resto, on laisse tout ouais, seul. Ouais, on les laisse tout seul, on se casse. On se retrouve pour l'ouverture du calendrier de l'Avent, jour 15. Tu peux trouver ta case. Donc, on est le 15. À ton avis, qu'est-ce qu'il y a dedans? Je sais pas, mais c'est hyper léger. Donc, j'ai peur. Mais y'a rien. Un bout de papier. Bah, lis ce qu'il y a écrit dessus, un bout de papier. Aujourd'hui, tu as une surprise pour un changement. Tu seras accompagné de ma mère. À ton avis, qu'est-ce qu'il peut y avoir dedans? Je sais pas, moi. Un changement. Un changement et tu seras accompagné de ma mère. D'ailleurs, ma mère, elle est arrivée. Maman, viens voir. Maman, aujourd'hui, je t'ai demandé de venir tôt. Est-ce que tu sais ce qui va se passer pour toi aujourd'hui? Non. Anya a fait une ouverture. Il a dit, il y a une surprise, un changement, tu seras accompagné de ma mère. Quoi? Mais je sais pas, moi j'ai peur avec ces changements. Moi, si vous voulez, je vous donne un petit indice. Ouais. Après, à vous de deviner. Vas-y. Moi, je trouve que vos cheveux ils sont beaucoup trop abîmés et que vous avez besoin d'un très gros changement. Moi, je coupe pas mes cheveux, c'est mort, non, t'es non, malade non, ou quoi? Je suis pas carré, non, mais moi, non. Je sais pas, c'est quoi. Et ben, on se retrouve dans le prochain TikTok pour voir votre surprise.
beaucoup. Donc après les lèvres, aujourd'hui, je vais faire la retouche de mes sourcils. Donc ils avaient trop bien tenu, mais il manquait quand même des petits bouts à combler. Elle a commencé à me mettre l'anesthésiant sur les sourcils. Vous inquiétez pas, le truc rose, c'est à cause de mes lèvres. Du coup, mon sourcil, comme il était déjà tracé, il n'y avait pas besoin de refaire de forme, juste passer la couleur sur le sourcil. Donc elle a bien insisté sur le devant et sur la fin du sourcil. Car sur la fin du sourcil et sur le devant, c'est là où ça s'enlève le plus, mais franchement, il n'y avait pas beaucoup de retouches à faire. Là, mon œil, il pleurait, j'étais en train de me dire que ça fait beaucoup plus mal que les lèvres. Les lèvres, limite, j'ai rien senti. Enfin bref, c'est déjà fini. Donc là, elle m'a mis une pâte noire pour faire ressortir la pigmentation. Et voilà le résultat. Donc bien évidemment, ça va s'estomper, ça va croûter. Et ensuite, j'aurai le résultat d'ici 15 jours. Donc là, elle était en train d'expliquer le processus à faire. Donc il fallait que je prenne un coton imbibé d'eau. Et tous les 3 heures, que je passe le coton sur mes sourcils pour enlever le surplus. Et mettre ensuite de la vaseline jusqu'à la cicatrisation de mes sourcils, tout simplement. Et le résultat sera évidemment beaucoup moins foncé. Donc là, c'était le lendemain. Et on se retrouve dans 15 jours quand tout aura cicatrisé. Bisous. Ouverture du calendrier, jour 21. Mais ça, tu forces toi. Mais tu peux trouver ta case, il t'en reste très très peu de toute façon, c'est pas très compliqué. J'ai marché sur ton sextoy. Ça relâche, c'est pas ça. 21, mais c'est hyper gros. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Alors là, c'est pas une boîte histoire d'or déjà. En vrai, tu sais que c'est pas parce que c'est plus grand ou plus petit que c'est plus cher. Hein. Ah, ok. Tu peux ouvrir? Oui. C'est quoi? Oh, c'est un boucleur. T'es contente? Trop bien parce que j'ai tiré action. J'arrive pas à l'utiliser. Il me fait pas des belles boucles, donc je suis trop contente, merci. Bon bah ouvre-le hein. Et je vais essayer surtout. Oh, il est trop beau, il est doré. Là c'est pas un action. Il est beau, il est plus fluoré tout déjà. C'est vrai. Ouais. Bon, ça veut pas s'enlever, avec moi ça se lève direct. Tu vas faire tout tomber les trucs. J'ai trop hâte de le tester. Tu penses que ça va marcher? J'aime trop. J'sais on le teste dans le prochain truc, ça va bien. Je te jure. Quoi? Moi, en tant que mec, je comprends pas à quoi ça sert. Fais pas comme ça, c'est pas les boucles. Bon, tu l'essayes dans le prochain TikTok. Oui. Journée sans maquillage. Non. 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 Trop belle. Partie 2 de la voyance fait croire à Ania qu'elle a plusieurs hommes. Ania. Ouais. J'ai pas dormi de la nuit. Je veux être sûre de quelque chose. Je veux que tu retires les cartes avec moi pendant que Zizou n'est pas là. Ok, vas-y, tu veux. Vas-y. Ça recommence. Un homme. Ça veut dire quoi? Non, mais là, non, là c'est un homme encore. Encore? Là c'est un jeune. C'est un valet, c'est un jeune. Oh merde. Vas-y, vite. Je suis en train de encore deux. Et j'arrête. Tiens. Encore un homme, non mais là ça, tout le monde nous regarde en plus. Moi je pensais que ça allait redonner autre chose que par rapport à hier. C'est sûr que ça veut dire des hommes ça? Mais oui c'est des hommes, c'est deux valets, là c'est le valet de cœur, là c'est significatif de relations sérieuses. Ok, attends. Tu te trompes. Oh là 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 là, un vieux maintenant, le roi. C'est celui d'hier encore. C'est pas possible. Vas-y dis la vérité Ania. Non je te jure, je prends pas mon fils. Franchement je vais l'appeler. Non mais arrête, non, arrête, Olivia, mais je comprends pas, mais c'est pas vrai. Je le savais toute la nuit, j'ai pas dormi. Non mais c'est pas possible. Encore? Mais il t'en faut combien des mecs là? Sérieusement Ania, t'as pas honte? Mais c'est pas possible. Non Ania, là je suis pas contente après toi. T'es sérieuse? Tu m'as mis que des mecs? Mais t'es sérieuse? Tu m'as mis que des mecs? Je voulais vérifier s'il y avait que Zizou dans ta vie. Mais t'es vraiment une vieille meuf, mais t'as mis que... Oh, ça m'en tue pas là. Eh, viens ici. Bon, du coup, je fais là tout de suite avec le cadeau du jour, le numéro 14. Donc, c'est Yeezy. Elles sont trop trop belles, mes mimous. Alors, pour le bas, soit je vais mettre un petit cargo gris comme ça. Ou alors, je voulais mettre un cycliste avec. Je pense que ça fait beau, mais il fait trop froid. Donc, je pense qu'on va partir sur le cargo. Ensuite, comme elles sont marron, soit je pars sur un petit croc top comme ça, marron. Pour faire le rappel des chaussures. Ou alors, je reste avec mon cargo tout en gris. Et comme ça, les chaussures, elles seront marron. On verra que ça. Je pense que je vais rester sur le gris. Alors du coup j'ai mon cargo gris, j'ai un t-shirt gris, je vais essayer ça et ensuite on essaye les chaussures. Donc voilà, donc là je suis habillée tout en gris, je vais mettre les chaussures, je trouve qu'on est grave dans le thème. Padam, 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 tadadadadam. T'es trop belle. C'est validé. Bah attends, quoi? Je t'avoue mais je sais pas, je trouve il manque un truc dans ta tenue. Dans quoi? Je sais pas, va devant le miroir, regarde si te manque pas un truc.
Mets-le et je te valide ça. Okay. Sur un style. Là, on est vraiment sur un style. Ouais, je valide. Tu valides? Non, non, elles sont trop belles. Sont mais par contre, la sort comme ça dehors avec le froid, tu vas voir, ces pieds vont pas devenir congelés. Non, qu'est-ce qu'elle vient de dire? On fait tout pour les styles, on s'en fout sur la froid. Là, c'est moi. Là, c'est un ex. Tu vas me juger, ok? Ok. Là, à droite, je me jure la dynamique que je dis que la vérité, que la vérité. Je jure la dynamique que je dis que la vérité, je dis que la vérité. Enfin, je sais pas, on dirait que tu danses. J'ai même pas dit ça. Qui est la plus belle? La vérité de chez vérité, hein? Qui est la plus mignonne avec toi? C'est pas faux d'attention. Ah, avec elle, ça veut dire attention. Bon. Ensuite, qui est la plus gentille? Bah, t'es sérieux, hein? Mais t'es sérieux? Oh, t'es invivable, c'est même pas. Qui t'aime le plus? Bah, toi, je crains, j'espère. Ok, qui t'a fait le plus la misère? Bah, oh, faut pas ça des bases. Et elle, en fait, je crois. Ok, si t'avais une deuxième vie, tu voulais te remettre avec moi ou elle? Non, quand même, toi. Elle veut pas, en fait. Elle veut pas. Si un jour me remettre avec elle, et ben, je me rends, non, tu devrais pas avec elle. Ok, dernière question. Ok. Qui est la plus refaite? Oh, elle avait des sables au cul, là. Bon, ben, elle refaite, elle refaite. Ah, et c'est-tu la meilleure? Passez-moi. On m'affiche Anya dans le magasin, ça se passe pas comme prévu. Mais Anya, tu vas pas encore regarder les chocolats, t'es trop grosse là. Je suis pas grosse, c'est ça. Mais je suis grosse. Ça te rentre en entier dans la ch... Anya, c'est où les préservatifs? Je trouve pas. Demande au monsieur, s'il te plaît. Excusez-moi, monsieur. Bonjour, c'est où les préservatifs? Là. Avant la... Ah, merci beaucoup. Anya, prends tes capotes. C'est là. Anya, tu fais quoi dans les rayons d'alcool? Tu vas pas encore te bourrer la gueule, putain. T'es chiante. Allô, Anya, il faut que tu prennes les trucs bio pour ton caca pour qu'il soit elle bien s'en fout. Anya, t'es trop grosse pour manger du chocolat, arrête. C'est vrai, non? Madame, vous savez que je suis grosse? Ah, merci, elle est trop chou. Oh, vous êtes trop chou, madame. Ah, mais oh! Mais ça pue, madame, un peu, hein! Anya, j'ai un jeu pour toi. C'est quoi? Tire! C'est quoi? Tire! Anya me lisse les cheveux! Non, mais c'est. Tu as pas comment je suis? Mais c'est une blague! T'avais le choix, mais. C'était quoi l'autre? Non, après, à la fin. Ok. Aïe, c'est chaud! Pardon! Tu peux faire ça bien, s'il te plaît, correctement? C'est une blague! Ouais. Essaye de m'appliquer là, c'est ouais. C'est une blague! Non, mais t'abuses, Olivia! Aïe! Mais tu tires et c'est chaud. Ça va pas. Fais ça bien. C'est un lisseur, c'est le principe d'être chaud. Hein. Oui, ça bah, pas là, c'est pas assez lisse. Bah, pardon, là, c'est pas assez lisse, là. Non. Fais ça bien, s'il te plaît. Applique-toi. Je peux pas faire mieux. Hein. Il est nul, ce lisseur, je crois. Pardon, c'est un GHD.
C'est pas ton cadeau de... un de tes cadeaux de Noël? Bah oui, c'est toi qui me l'as acheté avec 10 euros en plus. Mais... Ta tête, elle est moche. T'as regardé ta tête à toi? Et le parler? Ça va pas. Fais ça bien, toi. Eh, hey, Olivia! Toi sur ma tête. Je vais arrêter de te lisser les cheveux sur la voix. Tu t'appliques pas, Agnès, là. Eh, ta chérie, elle s'applique pas sur ma chevelure. Oh, ta gueule, toi. Eh, prends correctement, je vais t'en coller une, tu vas te retrouver dans le jacuzzi, toi. Ta tête dedans, là. Bon, Olivia, c'est quoi? Allez, tiens, prends le lisseur. Tiens, prends la brosse. Comment tu me parles? Allez, tu fais toute seule, allez, bonne soirée. Tu fais toute seule. Allez, salut. Ça y est. Bah, je le ferai mieux toute seule, je pense. Ouais, on est pas seul par soi-même. Voilà. Et si je le casse, tant pis pour toi, ton lisseur. Eh, mon lisseur, on le casse même pas. Tant pis pour toi, fallait bien le finir. Allez, débrancher. Bye. Ta finale, t'es trop belle maman. Agnès, si. elle a bien fait son travail. Elle a assuré, on la reprendra. Mon goal. Pour l'ouverture du calendrier de l'Avent, jour 18. Qu'est-ce que t'as, mais plus d'enthousiasme? Je suis saoulé, la France, elle a perdu. Mon Mbappé, il a perdu. Finalement, j'étais à fond, je me suis cassé la main. Mon petit kiki. Bref, tu peux ouvrir. Ça va pas m'empêcher d'ouvrir ma case, hein, je te le dis. Y'a quoi dedans? Devine. Qu'est-ce qu'il y a dedans, à ton avis? Bah, je sais pas, elle a l'air vide un peu. Mais elle est où, mon cadeau? Bah, la France, elle a perdu, elle a pas de cadeau aujourd'hui. T'es sérieux là? Ah mais je suis pas de bonne humeur, fallait qu'on gagne. Non mais t'es sérieux? Je te jure, je te promets que j'ai retiré ton cadeau. Ton cadeau il est là, mais d'abord tu dois rendre hommage à mon Kylian Mbappé. Le pauvre, il méritait trop de gagner. Tiens. Ah ouais, tu t'en fous hein. C'est quoi? Pour qu'on soit assorti. Ah, oh, le même pop que toi. Yes. T'aimes bien? Vas-y, juré, il te va archi, archi, archi bien. C'est vrai, t'aimes bien? Oui. Bon, voilà, comme c'est qu'en vrai, je t'ai donné les miens parce que j'ai pas de cadeau pour aujourd'hui. Mais tu es sérieux? On fait l'ouverture du calendrier de l'Avent, jour 13. Aujourd'hui, c'est le 13. Y'a pas. Bah, si, cherche bien. Mais non, y'a pas. Non, mais tu fais exprès, t'es bigose. Y'a pas. Ah, désolé, attends. Échanger la petite avec la plus grande parce que ça rentrait pas. Mais du coup, non, le 13, c'était la petite. Et celle du bas, le 15, mais du coup, elles sont échangées. Mmh. Donc en gros, c'est le 15 et le 13. Enfin, oh, je sais pas si vous m'avez compris. Exactement. À ton avis, qu'est-ce qu'il y a dedans? Rien? C'est pas vide, non? C'est pas vide! Comme on dit dans la vie, les choses les plus petites, des fois, c'est les plus chères. Ah ouais? Attends. Mais là, c'est un cadeau vraiment d'amour encore. C'est vrai? Oui. J'aime trop ces boîtes. À ton avis, il y a quoi? Bon, ouvre, on s'en fout. Oh, il est trop beau! C'est un collier en or de l'Infinity. Parce que tu m'aimeras à l'infini, c'est ça? Pourquoi je parle à ma place? Ouais. Qui a dit que je t'aimais jusqu'à l'Infinity? Tu m'aimerais jusqu'à l'Infinity? Oh, c'est bon. J'aime trop. C'est vrai. Il est trop beau. Le cœur et l'Infinity. Le cœur et l'Infinity. Jusqu'à la mort, je t'aime! Mais c'est une blague. Je comprends pas. Je suis à Punta Cana et les deux gosses me suivent. À croire que je suis je sais pas quoi avec eux, c'est incroyable. Moi je vais me barrer, je vais partir en courant, ils vont rien comprendre ces deux. Incroyable, je vais me barrer. Eh, laissez-moi tranquille là. Salut. Salut. Je crois que tu vas te sauver ou pas? Laissez-moi tranquille. On te surveille. Allez. Agnès, dis-lui qu'on la surveille. Eh, vous êtes dans un endroit paradisiaque là, vous avez pas besoin de maman là. Alors, toi aujourd'hui t'as une dame. Ouais. Qui va s'occuper de toi parce que tu peux pas t'occuper toute seule pour aller bronzer. Voilà, ouais, c'est ça, ouais. Et c'est Agnès l'assistante. Dis coucou, Agnès.
Allez, reste, maman, arrête, sinon on va te mettre une laisse. On va te dans l'eau. Eh, mais vous allez me laisser tranquille. On la jette dans l'eau. Non, non. Mais qu'est-ce qu'elle fait? Mais maman, tu crois que t'as 10 ans pour faire ça? Mais elle est complètement folle. Mais t'es folle, hein. Arrête, j'ai mon téléphone, il est cassé. Je fais un bisou sur un verre, elle pense que je l'ai trompée. Regardez sa réaction. Elle va péter un câble. Vas-y bébé, viens. C'est ton tour, j'ai fini. C'est bon, il reste que les verres et les assiettes. Je suis en train de faire les balais, maintenant tu fais le balai alors. J'aime trop quand je fais la vaisselle parce que moi je laisse des bouts. Moi bah t'es dégueulasse. Bon, je descends les poubelles, j'arrive. Vas-y. C'est quoi ça? Pourquoi une trace de douche? Il est sérieux? Bon, je suis pas là, non. Il avait des pétasses. T'es où là? Putain, il est parti. Zinedine! Viens ici! Je sais que Waouh. Tu vois ce qu'il fait, s'il te plaît, c'est quoi? Une trace de bouche, c'est pas ma bouche. Je la reconnaîtrai pas, c'est ma bouche, c'est pas ma bouche. J'ai jamais de rouge à lèvres rouges. C'est qui s'est refait sa bouche il y a même pas une semaine? C'est toi qui as les lèvres rouges comme ça? Je t'ai dit, tes lèvres elles sont périmées, ça détend. Donc t'es sérieux là? Pendant que je suis pas là, tu vas avec des lèvres? Alia, c'est tes lèvres, t'as un problème aux lèvres. J'ai un problème aux lèvres? T'as un problème aux lèvres. Quand je te dis que t'aurais pas dû faire ça à tes lèvres, et ben voilà maintenant, tes lèvres elles détend. Faut aller à l'hôpital. Faut aller à l'hôpital. Vas-y, prépare tes affaires. Prépare tes affaires, dépêche-toi, on va à l'hôpital. Allez vite. Coucou tout le monde, alors je vais vous présenter ma chambre. Déjà, vous voyez la vue que j'ai derrière moi. Alors voilà la vue de ma chambre. Une piscine juste là. Un restaurant juste devant ma chambre aussi. Avouez quand même que j'ai une vue magnifique. Là, pour le coup, je les ai carottes parce qu'ils n'ont pas la même vue que moi. Alors, donc là, c'est la terrasse. Hein. Un grand balcon quand même. Là, vous avez ma chambre. Hop. Hop. Qui donne droit directement sur un jacuzzi. La penderie. Vous voyez, moi, tout est rangé. Le jacuzzi pour se relaxer le soir. Lavabo. La douche, les toilettes classiques, tous mes produits de beauté. Et là, par contre, je ne sais pas ce que c'est. On m'a mis un monte-marche, une marche, peut-être parce que je suis trop petite. Ma balance, l'indispensable. Et on arrive sur le coin cuisine et le coin salon. Comme vous pouvez le constater, elle ressemble fortement à celle de Zizou et Anya, à part la télé qui est un peu de travers. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, je préfère ma chambre, la vue est exceptionnelle. Ma partie préférée reste quand même le balcon, avec ma vue imprenable sur la piscine. Bonne journée à tous. On se retrouve pour l'ouverture du calendrier de l'Avent, jour 16. Pour ceux qui ne savent pas, en gros, hier, toi et ma mère, vous deviez aller chez le coiffeur faire un soin, mais un truc de malade mental. Mais du coup, on attend que je récupère une voiture et vous aurez ce soin. Mais en attendant, tu peux ouvrir la case d'aujourd'hui et tu as bien quelque chose aujourd'hui. Ah, j'espère que cette fois, ça va pas passer sous le nez. Hein. Qu'est-ce que c'est à ton avis? Boîte. Grosse ou petite? Petite. Ouais. Une bague? Non, tu mérites pas. Tu mérites ça. C'est quoi dedans? Bah regarde. Attends, devine. Bah du coup c'est pas une bague, donc du coup un bracelet? Non, ouvre. Ah, elles sont trop belles. C'est nos cœurs, c'est ton cœur et mon cœur, on est collés. Attends, mais c'est comme le collier. Oui, t'aimes bien ton cadeau? C'est trop beau, merci beaucoup, je vais les essayer tout de suite. Ah, il me met le fermoir. Aïe! C'est bon. Et voilà le résultat final! Bah, elles sont archi belles. On voit bien là? Oui, et monte de l'autre côté. C'est trop trop. Attends! Ah, c'est pas bien mis. J'aime trop, ça fait trop beau. Et si tu veux, je te donne un indice. Moi, je dis, t'as un autre collier qui va ressembler à une autre paire de boucles d'oreilles. Je dis ça, je dis rien. Résultat dans le prochain jour. Merci, mon bébé. Je vous filme les coulisses des TikTok de Zizou et Anya. Après, on va dire que c'est facile de faire des TikTok, mais pas du tout. Et hop. Il en faut des prises. Et ça répète. Et on est reparti pour une nouvelle. Ils vont me tuer quand ils vont voir ça. Oh, ça me fait rire.
Là, ils apprennent les paroles. Ah bah oui, faut pas se louper sur les paroles. 3, 2, 1, go. On est reparti. Nouvel essai. Ah, j'espère que cette fois-ci, c'est la bonne. Parce que c'est long, quand même. On va pas y passer toute la fin de l'après-midi. Bon, j'espère que là, c'est la bonne. Mais non, toujours pas. Toujours pas la bonne. Ah, je crois que ça y est. On tient le bon bout, là. On est à la je sais pas combien-tième pour réaliser. Ça va durer encore combien de temps tout ça? C'est pas possible ça. Ils sont concentrés les deux. Ça y est, mission accomplie. Ouverture du calendrier, jour 19. Ok, tu peux récupérer ta case. Je vois pas. Bah, ça charge bien. C'est oui, c'est lui, salut. J'ai oublié d'écrire dessus. Ah. Ou je m'étais trompé, ou je sais plus. Okay. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Là, il y a un cadeau aujourd'hui, pas comme hier. Une boîte? Oui. Tu peux ouvrir? Oui. Oh! Mes boîtes préférées! C'est quoi? Histoire de... Aujourd'hui, tu as un bijou en or, ça veut dire. Et c'est quoi cette fois? C'est un collier encore? Bah non, t'en as déjà eu deux. Ok. Une bague? Non, t'en as déjà. Regardez les gens, je suis trop content de mon cadeau du jour. C'est un bracelet. Attendez, je sais pas si vous voyez. Ouais, il y a marqué Zizou, enfin Zinedine et Anya. C'est trop. T'aimes bien? Oh, avec le cœur et tout, j'aime trop. T'as un tout petit poignet. Mais je sais. J'ai l'impression que ça va être trop grand. Oh, arrête, bah, j'aurais trop le seum. Il est un peu grand. Bah si, il est trop grand. Non, mais ça va. Mais ça, Anya, tu vas le perdre en deux. Ah non, j'ai le seum. Regarde, il est trop grand. Ah ouais? Bah ouais, faut que tu manges là. Quand je suis saoulé, le cadeau du jour, j'ai payé dans le vide parce que bah, c'est une gravure, on peut pas faire rembourser. Non mais ça se trouve, je vais grossir du poignet. Ah, j'ai le seum. Oh non, c'est bon, je suis saoulé.